Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler de 4 films d'horreur ou horrifiques dont j'ai pas eu le temps de vous parler au cours de l'année 2019, donc voilà, c'est un petit rattrapage. Il y a 2 films que j'avais ratés au ciné que j'ai vu récemment chez moi, un film que j'avais pas eu le temps de chroniquer par manque de temps par rapport à mon emploi du temps personnel, et un film pour lequel j'avais pas envie de consacrer une vidéo entière, donc voilà, je m'étais dit que j'allais le chroniquer à la fin de l'année avec plusieurs autres. Je vous mettrai dans le commentaire épinglé le timecode des 4 films pour que vous puissiez aller au film qui vous intéresse si vous n'avez pas forcément envie de voir la critique des 4 films. Je vais essayer d'être quand même assez bref pour pas que la vidéo fasse une heure, genre je vais pas parler 20 minutes de chaque film. Je vais aller au plus rapide pour certains films et peut-être un peu plus approfondir pour d'autres. Bref, trêve de blabla, j'ai mon téléphone parce que sinon je me souviendrai jamais de toutes les dates et de tous les réalisateurs. Le premier film dont je voulais vous parler, c'était Scary Stories, qui est sorti le 21 août 2019, qui est réalisé par André Ovredal, qui avait réalisé le film Gendo Autopsy et Trollhunter. Trollhunter c'était plutôt cool, Gendo j'avais pas du tout aimé. Scary Stories, c'est l'histoire d'une bande de jeunes qui trouvent un livre mystérieux dans une maison abandonnée dans leur quartier. Ce livre contient des histoires d'horreur et en fait ils tardent pas à se rendre compte que les histoires qui sont écrites dans ce livre là sont des espèces de prophéties, des histoires qui ne vont pas tarder à leur arriver. C'était un film, ma foi, fort sympathique, c'était divertissant, c'était pas un film d'horreur à proprement parler pour le public adulte, mais c'était un film d'horreur qui était destiné au public plus jeune, au jeune public de 12 à 14 ans, j'ai envie de dire. Donc moi, j'ai 35 ans, je me sentais pas forcément concernée par leurs histoires, mais ça m'a pas empêché de trouver le film très sympa et de me dire que à 13 ou 14 ans, j'aurais bien aimé voir ce film au cinéma. C'est une bonne façon de s'initier à l'horreur. Il y a des scènes qui sont assez flippantes. Tout le segment avec l'épouvantail, par exemple, est plutôt cool. Moi, j'ai trouvé que c'était flippant, j'ai trouvé que ça donnait quelques frissons et que voilà, c'est ce qu'on recherche dans ce genre de film là. Ça fait écho aux films, aux livres et aux séries que je regardais quand j'étais petite, genre Chair de poule, Fais-moi peur. C'était sympa, c'était divertissant, ça faisait job, ça proposait quelques scènes d'horreur, c'était pas oufissime, mais à la limite je suis déçue de l'avoir raté au cinéma parce qu'au cinéma je pense que ça aurait été plutôt cool et je suis plutôt contente de l'avoir vu. Voilà, je pense que le film il s'est fait un peu descendre pour rien. Voilà, j'ai rien d'autre de spécial à dire sur ce film là, mis à part que j'ai passé un bon moment et que si vous l'avez pas vu, ben franchement je vous conseille de le voir parce que c'était très sympathique. Ensuite, j'ai vu récemment le film Wedding Nightmare qui était sorti le 28 août 2019, qui est réalisé par Matt Bettinelli-Holpin et Tyler Gillette. Je l'ai raté au cinéma parce que voilà, cet été j'ai pas pu aller au cinéma. Je l'ai vu ce mois-ci et très très bonne surprise, de toute façon la bande-annonce me branchait énormément et j'étais hyper déçue de l'avoir raté au cinéma. C'est l'histoire d'un couple qui se marie, la jeune femme intègre une famille assez riche, assez... ouais voilà, des riches clairement, ils ont un domaine de fou. Et on lui annonce que le soir de ses noces, elle doit faire un jeu, une espèce de jeu de société avec la famille. Elle tire un jeu au sort, au hasard. Et ce jeu-là, c'est un espèce de cache-cache. Sauf que forcément, comme on est dans un film d'horreur, c'est pas un cache-cache classique. Là, si elle se fait trouver, eh ben, elle se fait tuer par un des membres de la famille. Donc elle doit survivre jusqu'à l'aube pour intégrer la famille. C'est une bonne comédie horrifique. C'est hyper cool. Franchement, j'ai passé un trop trop bon moment en le regardant. Déjà, l'actrice principale, Samara Weaving, elle est super et elle fait une excellente scream queen, franchement, dans le film. Mais elle, elle porte le film sur ses épaules. Et elle se débrouille hyper bien, on l'avait déjà vu dans le film d'horreur The Babysitter qui est sur Netflix. Vraiment, très bon film d'horreur, c'est très bien amené, on découvre... En fait ce que j'ai bien aimé dans ce film là c'est qu'on se place vraiment à la place du personnage principal, c'est-à-dire qu'elle se retrouve dans une famille qu'elle connaît pas. Donc voilà, les membres de la famille, ben, nous non plus on ne les connaît pas vraiment, on sait pas à quoi s'en tenir par rapport à eux. Elle se retrouve dans un immense manoir qui est plein de coins, de recoins. À un moment son mari lui dit qu'il y a des portes dérobées qui servaient pour les domestiques avant. Donc en fait il y a une espèce de labyrinthe dans les murs, dans la cave, dans le grenier. Mais elle connaît pas les pièces de la maison, c'est la première fois qu'elle vient là. Et du coup ben, nous on se retrouve dans le même état d'esprit qu'elle parce qu'elle pousse une porte et on sait pas sur quoi ça va donner. Et j'ai trouvé que c'était hyper immersif du coup comme expérience. C'est tourné dans un vrai château, donc au niveau du décor ou des lumières, c'est hyper bien travaillé, c'est hyper beau. Et voilà, ça donne un aspect hyper réaliste au film. Franchement, très grosse surprise, le casting est très cool. Dedans, il y a Andy McDowell, qu'on connaît essentiellement pour ses rôles dans des comédies romantiques. Et ici, elle se retrouve en belle-mère
hyper bizarre. Franchement, c'était une bonne surprise de la voir là-dedans. Les autres acteurs, il y a juste un acteur que j'avais déjà vu avant, mais j'ai quand même oublié son nom, je suis désolée. Franchement, très bonne surprise. Le rythme, il est maintenu du début à la fin. Il n'y a pas une seule seconde de répit, ni pour le personnage principal, ni pour le spectateur. On a ce personnage, voilà, qu'on a envie de soutenir tout au long du film. Elle est hyper combative. Franchement, elle n'en démord pas du tout. Elle a envie de gagner. Voilà, elle a pas envie de mourir. Elle a envie de les affronter coûte que coûte. Au fur et à mesure du film, du coup, elle déchire sa robe de mariée. Elle se retrouve en basket. Elle est pleine de sang. Et la scène finale est beaucoup trop cool. Franchement, je ne m'y attendais absolument pas. Je ne m'attendais pas à ce qu'il fasse une fin comme ça. Et c'était hyper surprenant. C'était très bien amené. C'était bien intégré au film. Ça faisait pas tâche. Franchement, ça arrivait pas comme un cheveu sur la soupe. C'était très surprenant. Mais ça allait hyper bien dans l'esprit du film. J'ai adoré. Si vous ne l'avez pas vu, franchement, je vous conseille mais vraiment, vraiment, vraiment de le voir. C'était excellent et j'ai hâte de revoir Samara Weaving dans d'autres films parce que je trouvais que c'était une bonne actrice. Franchement, elle a une bonne présence à l'écran. Franchement, comme je vous dis, elle tient le film sur ses épaules et elle est excellente du début à la fin. Ensuite, je voulais vous parler de Dr. Sleep qui est sorti le 30 octobre 2019, qui est réalisé par Mike Flanagan, dont j'ai déjà parlé plusieurs fois du coup dans ma vidéo sur les films Netflix que je vous conseille. Je vous mettrai le lien en haut à droite. Mike Flanagan, donc c'est sa deuxième adaptation d'un roman de Stephen King, Dr. Sleep, qui est donc la suite de Shining. Quand le livre est sorti, j'avais pas eu envie de le lire, pourtant je lis du King, mais celui-là, voilà, me tentait pas plus que ça, une suite de Shining, ça me parlait pas spécialement. Quand je suis allée voir le film, je ne savais pas du tout à quoi m'attendre, donc j'avais pas lu le livre, je ne connaissais pas l'histoire, j'avais même pas vu la bande-annonce, je me suis juste dit, ouais, je vais le voir. Obligé, je vais le voir. Et franchement, mais quelle surprise, mais j'ai été époustouflée, je me suis retrouvée vraiment plongée dans le film dès la première seconde, dès la première image, dès la première note de musique, j'ai été plongée dans le film, j'ai adoré de A à Z, et là d'ailleurs je suis en train de lire le bouquin. Donc c'est la suite de Shining, c'est l'histoire du petit Danny qui est devenu un adulte, qui est joué par Evan McGregor, qui essaye de combattre ses démons parce que voilà, il est hanté par tout ce qui s'est passé à l'hôtel Overlook, tout ce qui s'est passé avec son père. Il a toujours le Shining qui lui fait voir des morts, qui du coup le plonge dans une espèce de dépression constante. Il essaye de noyer tout ça dans l'alcool, dans la drogue, dans les nuits sans lendemain avec des nanas. Il est hyper instable et tout, jusqu'au jour où il est comme appelé par une ville. Il fait un voyage en bus, il s'arrête dans une ville. Lui, il a l'impression que c'est au hasard, mais forcément c'est pas au hasard. Et il va s'installer dans cette ville-là, il va commencer une nouvelle vie, rencontrer des nouvelles personnes. Et au même moment, ailleurs, il y a une petite fille qui naît, qui a le Shining. Et au même moment, ailleurs, il y a un groupe de gens qui ont le Shining et qui chassent les gens qui ont le Shining. Voilà. Je pense qu'on a dit Shining 60 fois dans cette vidéo. C'est très mal résumé, clairement. Mais franchement, le film, c'était tellement bien, mais tellement bien, je vous jure. Je suis passée par toutes les émotions dans le film. Je suis passée par la peur, je suis passée par l'émotion, les larmes aux yeux. J'ai ri, j'ai... Il y a une boule de mon sapin qui est tombée. Donc je disais, je suis passée par toutes les émotions dans ce film-là. J'ai adoré la façon dont c'était... déjà la façon dont c'est filmé. Il y a des scènes qui sont vraiment perchées et je pense que le talent de Mike Flanagan fait que ces scènes passent hyper bien à l'écran sans être kitsch, parce qu'il y a des scènes vraiment bizarres. Je ne peux pas vous le dire pour pas spoiler si vous n'avez pas vu le film. Je pense qu'avec un autre réalisateur ça aurait pu être claqué, je pense que ça aurait pu être hyper cheap. Mais Mike Flanagan, il a une façon de filmer... Les mouvements de caméra qu'il utilise, la façon dont il traite les personnages, la façon dont il traite le cadre, les décors, les lumières, c'est
tellement bien travaillé, c'est tellement bien pensé, qui donne un aspect hyper onirique à certaines scènes et ça choque pas du tout, ça... Franchement, mais ce film était parfait. Dr. Sleep, je vous jure, je suis sortie de la séance, je me suis dit, ce film-là, je le mets en top 2 de mes films 2019, mais c'était sûr et certain. J'ai été vraiment surprise parce que je savais pas à quoi m'attendre et j'ai été vraiment surprise. J'ai trouvé que c'était magnifique, j'ai trouvé que c'était bien amené, j'ai trouvé que ça s'intégrait hyper bien au film de Kubrick finalement. Parce que du coup, il y a des différences par rapport au roman Shining et au roman Dr. Sleep qui ont été apportées pour que ça colle au film de Kubrick. Et voilà, c'était pas une mince affaire que de faire une suite à ce film-là. Et ici, bah... Pff, c'est tellement bien fait. Et puis après, il y a des scènes qui se passent dans l'Overlook, mais c'est la perfection. C'est la perfection. Et entendre le thème de Shining au cinéma, c'est extraordinaire. Franchement, mais Dr. Sleep, c'est le film que j'attendais pas spécialement cette année. Le film que j'attendais cette année, c'est Joker, mais ça n'a rien à voir avec cette vidéo. Je n'attendais pas grand chose de Dr. Sleep parce que voilà, comme je vous disais, je connaissais pas l'histoire, j'avais pas vu la bande-annonce ni rien. Mais il a tout dévasté sur son passage dans mon classement 2019. C'était magnifique, les acteurs sont hyper bien choisis. Au début c'est juste un tout petit peu bizarre du coup d'avoir d'autres acteurs à la place de Jack et Wendy Torrance dans les scènes du passé. Pareil pour certains fantômes de l'Overlook qu'on revoit, ça fait un peu bizarre de voir d'autres acteurs à leur place. Mais finalement... Allez, ça passe. Le reste est tellement bien fait, c'est tellement immersif. On se retrouve encore une fois dans cet hôtel maudit que ben, ça passe. Même si, voilà, c'est dur en même temps. C'est dur de passer après ces personnages-là, c'est dur de passer après ces acteurs-là. Franchement, passer après Jack Nicholson de Shining, hyper dur. Mais bon, franchement, Mike Flanagan, il s'est régalé sur ce coup-là et c'était extraordinaire. Et le dernier film dont je voulais vous parler, c'est le film Countdown qui est sorti le 13 novembre 2019, qui est réalisé par Justin Deck, dont c'est le premier long métrage. J'ai trouvé que c'était sympa comme film, j'ai passé un bon moment, mais voilà, j'avais pas envie de faire une vidéo sur ce film-là en particulier. Je préférais faire une vidéo sur autre chose. C'était pas mauvais, mais c'était pas excellent. Voilà, c'était un film d'horreur divertissant qui est, on va dire, le parfait mélange entre Ring et Destination Finale, en gros. C'est l'histoire d'une infirmière qui vient d'être titularisée, à qui on parle d'une application donc qui s'appelle Countdown, qui va vous permettre de savoir dans combien de temps vous allez mourir. Et quand elle télécharge l'application sur son téléphone, il ne lui reste plus que 3 jours à vivre, et elle va faire la rencontre d'un jeune homme à qui il ne reste que 2 ou 3 jours également, et voilà, ils vont faire équipe pour essayer de contrer l'application parce qu'ils sont persuadés que c'est vrai qu'ils vont vraiment mourir au bout de ces 3 jours. Et ils veulent essayer de briser la malédiction. C'est un film qui est divertissant. C'est à mi-chemin entre Ring et Destination Finale. C'est cool. On passe un bon moment. Mais voilà. Sans plus. Le problème de ce film-là, c'est qu'il y avait de très bonnes idées. Notamment au niveau du design de la créature, en fait. Une espèce de créature, à un moment. Qui est hyper stylée. Franchement, le design de ce personnage, de cette créature, il est magnifique. J'ai adoré, c'est dommage, on le voit très très peu, mais le peu de fois où on le voit, c'est franchement, c'est saisissant. J'ai trouvé que c'était très réussi, mais le reste du film, c'est pas foufou, voilà. Comme je vous dis, ça fait passer un bon moment, je sais pas, ça dure 1h20, c'est cool. Je suis allée le voir une après-midi où il pleuvait, donc voilà, au lieu de rester chez moi ou de faire les boutiques, je suis allée au cinéma voir ce film. Et voilà, quand je suis sortie... ni chaud ni froid. Il y a de bonnes idées, mais voilà, qui sont toujours hyper mal exploitées. Les personnages, ils sont pas super attachants. La fin, le dénouement final, mais c'est un espèce de truc complètement what the fuck qui est sorti de nulle part. À la fin du film, en plus, on nous dit clairement il va y avoir une suite. Alors que, bah, non, merci, on en a pas spécialement besoin. Le seul truc que j'ai trouvé sympa par rapport à ce film-là, j'ai à vous dire, c'est qu'ils ont fait du coup l'application. Je sais pas si vous allez bien voir sur mon téléphone. Mais du coup, ils ont fait l'application, hop, Countdown, et voilà. Bon, moi, il me reste 28 ans, 126 jours, 45 minutes et 12 secondes à vivre. Donc, en gros, je vais mourir à 63 ans. Je suis dégoûtée. Voilà. Mais bon.
C'est le seul truc que j'ai trouvé sympa, c'est que du coup ils ont fait exactement la même application en vrai que dans le film. Voilà, ça ajoute un petit plus, c'est sympa, c'est rigolo, et puis voilà. Mais sinon, franchement, c'est... Je vais vous dire, c'est le genre de film, si vous avez rien d'autre à regarder, regardez-le. Mais voilà, vraiment sans plus, genre n'achetez pas le Blu-ray. Voilà. Écoutez, j'espère que ce petit rattrapage 2019 vous aura plu. J'ai essayé d'être assez brève, comme vous avez compris, les deux gros films, c'était donc Dr. Sleep et Wedding Nightmare. Les autres, c'était sympa, Scary Stories to Tell in the Dark. C'était très divertissant, mais voilà, après c'est le genre de film que je reverrai pas forcément. Countdown, je ne le reverrai jamais, clairement. Et la suite, je suis sûre que ça va sortir genre l'année prochaine. Mais voilà, c'est pas du tout dans mes attentes. Il y a d'autres films que je pourrais peut-être chroniquer dans une prochaine vidéo, j'en ai aucune idée. J'ai une liste de rattrapage 2019 à terminer, mais je m'en sors jamais quand je fais des listes en général. J'arrive jamais à aller au bout de ces listes. Comme d'habitude, dites-moi dans les commentaires si vous avez vu ces films-là, si du coup vous ne les avez pas vus et que vous avez envie de les voir. Dites-moi quels ont été vos rattrapages de 2019. Et puis je pense que la prochaine vidéo, ça sera sûrement mon top 2019. Je sais pas si je ferai un flop 2019, parce que vous savez qu'en général, ça me saoule de parler des films que j'ai pas aimés. Donc faire toute une vidéo où je vais parler que de films que j'ai pas aimés, ça m'emballe pas plus que ça, mais bon, à voir. Déjà, faut que j'arrive à faire un flop 2019. Mon top, il est prêt. Je pense que je ferai un top horrifique avec des mentions spéciales hors horreur. Parce que je suis obligée de mettre Joker. Je suis obligée de parler de Joker. Mais voilà, comme il rentre pas dans la catégorie horreur, je ferai une mention spéciale. Et puis voilà. Et puis en attendant, vous pouvez me retrouver sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram et sur YouTube. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut !